du Grand Prix depuis sa création en 1892, soit 116 années, se sont succédés seulement 6 présidents. Afin de garder toute la valeur symbolique à nos récompenses, nous ne le remettons qu'avec parcimonie et en respectant les articles R160 et R167 du Code de la Grande Chancellerie. Monsieur Colpart, pour tout ce que vous apportez à la société, le Grand Prix humanitaire de France, à ma personne en tant que président, est heureux et honoré de vous remettre la médaille du Grand Prix humanitaire de France. Thank you very much. Et je vous remercie pour tout ce que vous apportez à la société. Thank you very much. Voilà. Et notre ami va vous remettre le diplôme. Thank you very much. Et après, on va poser pour les photos. Thank you. Voilà. Voilà. Je suis plus ou moins international. Oui. Moi, je suis régional, international. J'estime que l'on doit respecter tous les pays. Les peuples, tous les champs, avec leur diversité religieuse, sauf les dogmatiques. Mais en principe, toutes les religions sont pour le bien de l'être humain. Oui, exactement. Sauf les dogmatiques, alors ça, il faut les rejeter. Mais que ce soit le catholicisme, que ce soit le protestant, que ce soit... Sauf dans l'excès, absolument. پیشنهاد و تلاش سیاوش اوستا جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه طی مراسم باشکوهی در پاریس به استاد اکبر گلپایگانی اعطا شد. سیاوش اوستا تا کنون نشانه ها و جوایز و مدال های بسیاری را به خاطر تلاش های انسان دوستی و نوآوری های اندیشه‌ایش دریافت نموده است. از جمله در سال 2000 مفتخر به دریافت لوحه طلایی جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه شد. از همون پس وی عضو تصمیم گیرنده این